On recommence. Vas-y. Allô? Bonjour à tous. Donc, bienvenue dans ce webinaire sur le SD-WAN et la sécurité. Donc, je suis Loïc Labbé, je suis directeur de la Business Line Data Entreprise chez Avoine. Je suis en charge de toutes les solutions de connectivité, de sécurité, réseau. Et puis, je suis accompagné de Pierre Gerbon, chef de produit sur le SD-WAN. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir nombreux ce matin connectés sur ce SD, sur ce séminaire. Sur ce webinaire, l'objectif c'est de dire et de regarder ensemble pourquoi le SD-WAN doit être abordé sous l'angle de la sécurité. Donc, je vais revenir sur une petite donnée de marché déjà pour introduire le sujet. La sécurité aujourd'hui est devenue un enjeu critique hein, avec l'accélération de la cloudification des applications dans les entreprises. Ça concerne aujourd'hui plus de 60% des entreprises interrogées qui ont aujourd'hui un enjeu de sécurité du fait de la migration des applications vers le cloud. Le SD-WAN est aujourd'hui à l'agenda de toutes les entreprises qui souhaitent s'équiper en solutions de réseau de dernière génération. Donc, les aspects de performance et d'agilité du réseau d'entreprise sont souvent à l'origine des projets SD-WAN. Pourtant, il nous apparaît primordial de penser sécurité dès le départ. Donc, le recours au SD-WAN ouvre de nouvelles perspectives et des enjeux de sécurité, en particulier la sécurisation des transactions qui sont plus simplement hébergées dans les data centers, mais qui sont aujourd'hui des transactions qui vont circuler au niveau des sites clients, des sites edge de votre réseau. Donc la sécurité est intimement liée au réseau et nous allons regarder au travers de cas concrets avec Pierre aujourd'hui comment intégrer cette dimension-là au SD-WAN et à vos projets de migration. Alors en effet, le SD-WAN apporte beaucoup de bénéfices et nous allons les voir quelques-uns. Des bénéfices en termes d'agilité, de bande passante et de résilience. Cependant, le SD-WAN change le paradigme au niveau de la sécurité du réseau. Et il est important, dans la mise en place d'un réseau SD-WAN, de conserver le niveau de sécurité qui pouvait être fourni par un réseau MPLS. Donc, nous allons voir à travers trois cas concrets, dans trois secteurs d'activité différents, comment mettre en place un réseau et bénéficier des bénéfices du SD-WAN, tout en conservant un niveau de sécurité similaire à celui du MPLS. Alors, le SD-WAN répond à de nombreux enjeux, en particulier sur l'augmentation des besoins en bande passante, qui sont drivés par la multiplication des applications métiers et par l'augmentation des débits, notamment par la digitalisation. Le SD-WAN permet également de bénéficier du meilleur des deux mondes entre les accès MPLS et les accès Internet, et ainsi d'intégrer au réseau des applications cloud, type IaaS ou SaaS, et de répondre aussi à des évolutions des usages, comme le nomadisme ou le télétravail. Il est également aussi important de noter que le SD-WAN permet d'ouvrir le réseau, notamment pour pouvoir intégrer des partenaires ou de l'infogérance et de se prémunir de risques d'attaque. Et finalement, le SD-WAN permet de tirer parti des nouveaux types d'accès qui sont à la disposition des entreprises, comme les accès Internet type FTTH ou 4G, qui offrent des débits asymétriques mais non garantis et qui sont adaptés à faire transiter des flux non critiques. Comme évoqué, le SD-WAN change le paradigme de la sécurité. Dans le modèle traditionnel du réseau MPLS, on est sur un modèle de sécurité centralisé, avec des flux qui circulent sur un réseau privé de bout en bout. A contrario, avec le SD-WAN, on se retrouve avec un modèle de sécurité déporté, induit notamment par l'ouverture du réseau sur Internet et le WAN hybride, et l'ouverture du réseau, bien sûr, sur Internet. Alors, cette transition vers un modèle différent et déporté, décentralisé, peut se faire de manière progressive. Cependant, il est important de noter, de se poser la question dès la conception du réseau, de savoir comment apporter le niveau de sécurité et comment maintenir un niveau de sécurité similaire à celui du réseau MPLS. Juste un petit mot sur cette partie-là. Les réseaux traditionnels MPLS, effectivement, qui existent depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années,
bénéficier, on va dire, nativement d'une sécurisation intrinsèque hein, du fait de la segmentation des flux et de la protection des flux au sein d'un réseau complètement étanche et fermé. L'approche du SD-WAN et de la sécurité maintient le même niveau de service, le même niveau de garantie de sécurité, mais en même temps, on va pouvoir apporter des éléments nouveaux embarqués directement avec les fonctionnalités SD-WAN, comme la détection d'intrusion, comme la protection contre les virus, contre les attaques externes. Et ça, le MPLS ne le faisait pas précédemment, bien qu'étant sur des réseaux étanches. Donc là, on va pouvoir avoir des éléments de sécurité additionnels qui sont apportés au travers du SD-WAN. Éléments de sécurité additionnels qui sont adaptés à l'ouverture du réseau sur Internet. Alors, on va vous présenter trois cas concrets qui permettent d'exemplifier la mise en place d'un réseau SD-WAN tout en tenant compte des aspects de sécurité et en apportant un niveau de sécurité qui est similaire, voire meilleur que celui du MPLS. Trois exemples concrets dans trois secteurs d'activité différents. Dans l'industrie, dans le retail et dans le transport et logistique. Alors, il est important de noter que les enjeux qui sont liés à chacun de ces secteurs d'activité sont différents et que le design, la conception de la solution SD-WAN va répondre à des enjeux différents, donc va être différente. Et de ce fait, également, les enjeux de sécurité, les réponses de sécurité doivent être adaptées à ces différents cas de figure. Dans le cas de l'industrie, un des drivers principaux d'adoption du SD-WAN, c'est vraiment de pouvoir garantir la continuité d'activité au niveau des sites de production. Un site de production qui n'est plus relié au réseau, c'est un site de production qui ne peut plus produire, et donc c'est une perte sèche au niveau du business pour ces entreprises. Au niveau du retail, le principal driver est vraiment la digitalisation des points de vente. Pouvoir apporter du contenu et pour pouvoir aider les équipes de vente, augmenter la mobilité des équipes de vente au niveau des points de vente, bien sûr, tout en optimisant les coûts. Et finalement, au niveau du transport et logistique, les enjeux sont aussi autour de la digitalisation et du suivi, de la traçabilité en temps réel des expéditions. Oui, c'est d'ailleurs l'élément majeur hein. Sur la plupart des trois segments d'activité. Ce qu'on va retrouver, c'est finalement la nécessité de pouvoir piloter son activité en temps réel, faire les choix les plus adaptés, utiliser les meilleurs liens avec chacun leurs caractéristiques techniques. Donc on va avoir aussi, finalement, l'outil SD-WAN permet d'être un outil d'aide à la décision pour pouvoir piloter de façon extrêmement fine son activité. Premier exemple concret dans le secteur de l'industrie. Ici, un client avec 37 sites en France et à l'international, avec des topologies de sites différentes, principalement des usines et des entrepôts, mais aussi des bureaux. Le réseau existant est un réseau One MPLS, purement MPLS, avec de la fibre ou de la SDSL, ainsi qu'un data center interne et l'ouverture sur le cloud public avec un data center Azure. Dans ce cas-là, les enjeux de ce client étaient vraiment de pouvoir garantir la disponibilité des sites de production. C'est vraiment le principal enjeu et le principal critère d'adoption du SD-WAN. Autre enjeu, augmenter la bande passante, tout en conservant son réseau MPLS important. Là, c'est intéressant de noter qu'il est possible de pouvoir implémenter du SD-WAN tout en conservant son réseau MPLS existant. Et finalement, dernier enjeu, interconnecter le cloud public Azure, en l'occurrence, au réseau et de manière sécurisée. Ici, la solution que nous avons proposée et implémentée pour ce client est une solution donc, de SD-WAN avec de la sécurité intégrée. Par contre, c'est intéressant de noter que cette sécurité intervient en surcouche de la sécurité existante et qui sera conservée dans le réseau du client. On a également mis en place ce qu'on appelle le One Hybrid, c'est-à-dire de pouvoir mettre des liens, conserver les liens MPLS du client et déployer de nouveaux liens Internet de type FTTH
sur les sites de production. Là, l'intérêt est de pouvoir donc apporter de la bande passante supplémentaire qui va répondre à des besoins de flux non critiques, tout en optimisant les coûts. En plus de ces liens filaires, nous avons déployé donc des liens 4G, donc radio, sur les sites à faible éligibilité. C'est vrai que régulièrement, souvent, notamment dans le secteur de l'industrie, les sites peuvent être dans des lieux où la couverture filaire est assez faible. Donc dans ces cas-là, c'est intéressant de pouvoir proposer, de pouvoir aussi tirer parti en fait de la couverture 4G de ces sites-là. Et bien sûr, nous avons proposé, déployé aux clients la solution SD-WAN en mode virtuel dans son cloud Azure. Et ce qui permet de vraiment d'interconnecter, d'intégrer Azure à son réseau et de manière sécurisée grâce à l'encryption des données qui est réalisée par le SD-WAN. Ici, le modèle proposé et souhaité par le client est un modèle co-managé. Alors, c'est un modèle opérationnel basé sur du full manager, c'est-à-dire avec l'installation et l'exploitation réalisées par nous, et aussi des engagements au niveau, notamment en termes de services et de garantie de temps de rétablissement sur le réseau. Par contre, avec la possibilité pour le client de pouvoir d'avoir la délégation sur la modification de certains paramétrages, ce qui lui apporte de la réactivité et ce qui lui permet de vraiment d'adapter son réseau en temps réel à ses besoins. Les bénéfices, gains en termes de disponibilité et de résilience sur ces sites de production, simplification de l'exploitation du réseau grâce à une interface unique qui permet à la fois de gérer les aspects réseau et les aspects sécurité et qui apporte une bonne visibilité, une meilleure visibilité et une visibilité très fine au niveau applicatif sur l'usage du réseau et ce qui permet aux clients d'adapter son réseau à l'évolution des usages et également l'optimisation de l'usage de son réseau grâce à la capacité de pouvoir router au niveau applicatif, donc de manière très fine, les flux, soit sur du MPLS, soit sur l'Internet, en fonction de la criticité des flux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on ne l'a pas proposé. On répondra à la fin. Et on répondra à la fin. Autre cas de figure. Autre cas de figure dans le secteur du retail. Ici, un client avec un réseau avec 76 points de vente. Donc vous voyez un réseau principalement constitué de points de vente et un réseau MPLS, ADSL ou SDSL simple attaché. Ici, des enjeux différents pour le client. Principal enjeu, pouvoir augmenter les débits pour répondre aux besoins de digitalisation, pouvoir apporter du contenu, pouvoir équiper les vendeurs avec des solutions de vente digitale. Par exemple. Et également, un enjeu important et qu'on retrouve souvent dans le secteur du retail, c'est la capacité à pouvoir ouvrir des points de vente de manière régulière et à intégrer ces points de vente dans le réseau de manière rapide. Aujourd'hui, sur les solutions filaires, il n'est pas rare de devoir attendre plusieurs mois pour pouvoir intégrer un nouveau site au réseau. Et bien sûr, tout en optimisant les coûts, ce qui est aussi très important. C'est un driver très fort hein, quand même sur la partie retail, c'est-à-dire que les approches SD-WAN ne sont pas, d'ailleurs, on peut, vous savez, forcément avec un ROI évident ou immédiat, surtout dans la mesure où on est dans une approche où on vient upgrader, augmenter, apporter plus de débit sur les sites pour supporter les nouvelles applications. Ce principe-là fait que, de toute façon, ça introduit des coûts supplémentaires. Le SD-WAN va permettre d'agréger ces débits, d'apporter de la flexibilité. Et pour le coup, il y a des approches qui sont, on va dire, en termes de richesse fonctionnelle, qui peuvent suffire à répondre aux enjeux. Donc, il y a des solutions SD-WAN qui sont avec des approches de prix plus adapté dans ce contexte-là pour répondre à ces fonctionnalités. Ici, en l'occurrence, la solution qui a été proposée et implémentée, une solution type full stack, donc qui permet d'avoir les fonctionnalités de SD-WAN, de sécurité, et d'y intégrer de manière complètement transparente et sans couture des solutions de Wi-Fi, Wi-Fi Guest en l'occurrence,
et de LAN et de vidéosurveillance. Ici, il est important de noter que la solution proposée est une solution de SD-WAN avec sécurité intégrée qui remplace la solution de sécurité existante. Donc, c'est vraiment une solution tout en un, réseau SD-WAN plus sécurité. Important de noter aussi la mise à disposition pour le client d'un pool d'équipements de routeurs 4G qui sont utilisés par lui pour pouvoir raccorder de manière rapide des nouveaux sites au réseau. Lors de l'ouverture d'un nouveau point de vente, le client envoie ses routeurs avec des SIM intégrés dedans et qui sont raccordés et qui permettent de raccorder les nouveaux points de vente au réseau en quelques jours versus quelques mois aujourd'hui. Ici, un modèle full managé, donc intégré, déployé par Hubone et exploité par Hubone, avec des engagements au niveau de la qualité de service. Les bénéfices de la mise en place de ce réseau SD-WAN sécurisé, donc les gains en agilité, vraiment réduire les temps de raccordement au réseau des nouveaux points de vente. L'exploitation aussi des fonctionnalités de SD-WAN telles le Zero Touch Provisioning qui permet de détecter et de configurer de manière automatique les nouveaux équipements qui sont raccordés au réseau et de dupliquer ces configurations sur des nouveaux points de vente. L'augmentation de la bande passante, ici avec l'ajout de liens ADSL ou FTTH en fonction de l'éligibilité pour pouvoir vraiment apporter de la bande passante tout en optimisant les coûts. Et une optimisation de l'usage du réseau grâce à la capacité du SD-WAN de pouvoir router sur les liens MPLS ou Internet en fonction de la criticité des flux. Et de sécuriser les accès Internet nativement. Et de sécuriser les accès Internet nativement. Troisième et dernier exemple dans le secteur du transport. Ici, un client avec une trentaine de sites. Un réseau MPLS, SDSL en double attaché, des topologies de sites essentiellement des entrepôts et un data center privé et une volonté aussi de pouvoir bénéficier des avantages du cloud sur Azure. Principal enjeu, gagner en flexibilité et en agilité. Donc pouvoir raccorder des nouveaux sites rapidement sur le réseau. Et deuxième objectif, pouvoir intégrer l'Azure, le cloud public dans le réseau et de simplifier l'exploitation du réseau. Ça aussi, c'est un driver aussi important, avoir la possibilité de monitorer, de piloter, d'avoir la vision et de reprendre le contrôle du réseau. Oui, c'est un élément essentiel pour ce client-là. C'est finalement, une de ces problématiques, c'est de dire, aujourd'hui, quand j'ai un lien qui tombe, je ne suis pas forcément informé par mon opérateur, je ne le vois pas, je n'ai pas les informations, y compris quand un lien se sature ou un lien est dégradé, et qui ne permet pas de garantir la qualité de service sur mes applications métiers, donc en particulier mes applications sur tout ce qui est ma chaîne logistique, qui nécessite de faire du temps réel, et qui ne tolère pas tellement les variations, en tout cas les coupures et les pertes de paquets. Et donc là, au travers du SD-WAN, on a des outils de pilotage, de la performance des liens, et d'avoir des outils de monitoring en temps réel, et pouvoir aussi réagir en temps réel, au travers des outils et du dashboard, vis-à-vis de son opérateur, pour lui signaler des dégradations, voire des coupures intermittentes sur certains des liens. Au niveau du réseau. Ici, donc, une solution de SD-WAN avec sécurité intégrée qui a été mise en place, avec, encore une fois, l'hybridation des liens, donc liens type MPLS et en complément des liens de type Internet, en l'occurrence du FTTH. Ici aussi, c'est intéressant de noter la mise à disposition aussi de liens 4G en backup passif, qui ne sont sur les sites critiques, qui ne sont utilisés qu'en cas d'ultime recours pour pouvoir vraiment garantir la disponibilité des sites. Et aussi un pool d'équipement de cartes SIM, encore une fois, pour pouvoir accélérer la mise en réseau des nouveaux sites.
Ici, intéressant de noter que le client souhaitait un modèle purement intégré, donc simplement le design et l'installation de la solution. Et puis, on lui donne dans ce cadre-là l'accès en administration à un certain nombre de L'ensemble des à l'ensemble fonctionnalités des fonctionnalités des du équipements. réseau. Les bénéfices, donc clairement une amélioration du contrôle du réseau, de la visibilité du réseau grâce à une interface unique qui permet d'avoir des KPI très fins au niveau applicatif et qui lui permet de vraiment d'optimiser son réseau et de monitorer son réseau en temps réel de manière très fine et très précise. Des gains en agilité. Une réduction du temps très significative de mise en réseau des nouveaux sites et une augmentation de la bande passante avec l'optimisation de l'usage du réseau en routant les flux critiques sur le réseau MPLS, les flux moins critiques sur les accès Internet. Le SD-WAN by Hub-WAN, alors grâce à notre expertise sur le SD-WAN, grâce à la possibilité de proposer des modèles opérationnels flexibles, full managé, co-managé ou intégrés. L'expertise aussi Hub-One en termes de cybersécurité. Nous sommes capables de fournir des réseaux SD-WAN donc, qui sont sécurisés, performants, flexibles et qui apportent de la simplicité, des gains en simplicité tout en optimisant les coûts. Juste un petit mot de conclusion. Donc, bon, vous l'aurez compris, le SD-WAN et la sécurité, c'est un duo primordial. Finalement, le SD-WAN contribue à combler certaines lacunes dans la plupart des entreprises en matière de sécurité. On l'a vu au travers des cas concrets. Il y a plusieurs approches, plusieurs étapes à franchir. Hub-One est là pour vous accompagner dans cette transformation, qui est essentiellement liée finalement à l'arrivée, et vous l'avez bien noté, l'arrivée d'Internet massivement en entreprise, et qui nécessite de revoir son réseau Edge, et donc de penser et de déployer ses règles de sécurité au plus proche des utilisateurs, et donc finalement de passer d'un modèle, on va dire, hyper concentré, un peu traditionnel, à un modèle éclaté, distribué, tout en garantissant un très haut niveau de sécurité. Sinon, deux mots sur le groupe Hub-One. On est un groupe digital, opérateur de technologies digitales. On s'adresse aux entreprises. Aujourd'hui, on adresse plus de 4 500 entreprises clientes dans un marché B2B. On appartient au groupe ADP. Hub-One, c'est un peu plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires sur plusieurs segments d'activité. Pierre et moi-même, nous sommes sur la division télécom, donc tout ce qui va être solution de connectivité très haut débit, sur le WAN, sur la voie, sur le Wi-Fi. Mais également, Hub-One, c'est une société qui porte des solutions de mobilité en environnement professionnel, des solutions d'IoT en environnement industriel, et puis également une société qui dispose d'une activité sur la cybersécurité, avec dans notre groupe une entité Sisdream, qui est un acteur majeur sur la sécurité, tout ce qui est audit, entité de certification, de formation des grands groupes aux enjeux de la sécurité. Et bien entendu, récemment, vous avez pu le voir dans la presse, nous avons fait l'acquisition de deux autres sociétés qui sont Oikialog et Ovelian, et qui ont rejoint le groupe Hub-One et qui
Ok. Donc désolé, là, on a eu un petit problème technique au niveau du son. J'espère que vous nous entendez à nouveau. Très bien. On va reprendre les questions depuis le début. Donc côté Azure, le déploiement virtuel est OK, mais côté site client, comment cela se passe? Alors côté site client, le déploiement est réalisé. Donc on installe des boîtiers, des équipements qui vont contenir la solution virtualisée de SD-WAN. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le déploiement se fait de manière. La configuration des équipements se fait en centralisé. Et l'équipement, une fois connecté à Internet, va aller récupérer sa configuration, la télécharger et l'implémenter de manière automatique. L'intégration dans le réseau client se fait entre la partie WAN et la partie LAN. Et en fonction des solutions SD-WAN qu'on va mettre en place, on peut ou pas intégrer la sécurité en natif. Peut-être prendre la prochaine question donc, qui a été posée. Donc, qu'y a-t-il dans vos briques de sécurité? Donc, suivant la solution, donc SD-WAN, on implémente plusieurs types de solutions SD-WAN aujourd'hui avec des partenaires constructeurs qui apportent des fonctionnalités de sécurité différentes, mais globalement, dans les briques de sécurité avancées, on va parler de content filtering, donc tout ce qui va être filtrage de contenu, filtrage d'URL, on va parler de malware protection, on va parler d'antivirus, on va parler d'instruction, d'IDS, d'IPS, des termes qui sont communément utilisés dès lors qu'on parle d'UTM, donc Unified Threat Management. On va parler de règles de firewall avancées. La plupart aujourd'hui des solutions SD-WAN, en tout cas sur les licences de base, intègrent un firewall stateful niveau 4. Dès lors qu'on monte sur la couche applicative niveau 7, effectivement, on va être sur les fonctionnalités UTM dans les briques de sécurité avancées. Autre question, vos boîtiers CPE sont-ils des UCPE, des Universal CPE, ou bien embarquent-ils des fonctionnalités NFV, ou bien des CPE traditionnels? Alors, suivant pareil, les approches SD-WAN, sur les approches, il y a une approche avec un constructeur, un éditeur logiciel avec lequel on travaille, qui lui propose une white box, donc un boîtier banalisé, avec un hardware banalisé, qui d'ailleurs s'adapte en fonction des performances et de la capacité des liens, en tout cas du trafic qu'il y a à monitorer. Donc le dimensionnement se fait au travers de ça. Donc on a une solution qui est basée sur un UCPE. On va dire le défaut ou l'inconvénient de ce type de solution, c'est que elle nécessite finalement d'avoir une solution logicielle embarquée sur une plateforme hardware indépendante. Il y a aussi d'autres solutions avec lesquelles on travaille aujourd'hui qui sont des plateformes hardware et logiciels SD-WAN full intégrés et qui permettent d'avoir une optimisation des performances et un produit qui est extrêmement compétitif en termes de prix et de design. Voilà, donc il y a deux possibilités en fait chez Abouane, on a des solutions. Après, les solutions les plus avancées, pour être très précis, en termes de richesse fonctionnelle et de possibilités, dès lors qu'on parle d'embarquer des fonctions NFV, se fera au travers effectivement de solutions type UCPE qu'on retrouve chez les pure players du SD-WAN. Autre question, quelles lacunes ou comment les lacunes sont palliées sur le SD-WAN? Un des éléments, on va dire, majeurs aujourd'hui pour une entreprise qui n'a pas forcément intégré dans sa conception, alors, une sécurité, on va dire, avec un cluster de firewall en centrale pour protéger l'ensemble de ses flux Internet sortants et entrants, mais dispose d'accès à Internet locaux qui sont finalement ouverts directement et sans réelle protection. C'est là où on va effectivement combler une partie des lacunes que j'évoquais et donc permettre, si vous voulez, au-delà de la mise en réseau, donc avec la surcouche sécurisée, le fait de monter des tunnels VPN sécurisés,
Et en même temps, on va pouvoir sécuriser ces flux Internet qui sont aujourd'hui ouverts, libres, en libre accès et qui présentent une faille de sécurité. Je voyais, merci pour la réponse, sur la partie UCP, effectivement, on parle bien de ce que peut faire un Viptela ou VMware. Alors, ce n'est pas la solution qu'on a choisie pour Hub 1, mais la Whitebox est bien effectivement une archi x86. Je confirme, c'est ce type de hardware qu'on utilise. On travaille avec une marque qui s'appelle Advantech, qui permet de proposer du hardware banalisé. Prochaine question, Pierre. Et S'il y en a d'autres. si voilà, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Je crois qu'on a répondu à sauf Comment s'intégrer dans le nuage, dans le cloud? Donc vous avez compris, en fait, il y a deux approches cloud. Côté Hub One, là aussi, on peut avoir une approche, ce qu'on va appeler cloud public. Bon, pour le citer très clairement, hein, avec Cisco Meraki, c'est cette approche-là, SD-WAN cloud public, où on va finalement mettre en place l'ensemble des fonctionnalités au travers d'équipements SD-WAN qui vont s'authentifier sur le cloud public, et puis des approches plus cloud privé. En mode intégré, avec des équipements hébergés soit dans vos data centers, soit dans nos data centers, et qui vont jouer le rôle de l'orchestrateur virtuel, virtualisé au niveau de l'infrastructure. Donc il y a là aussi des approches qui peuvent être différentes. Ce qu'on peut dire simplement, en termes de facilité, de déploiement, d'exploitabilité, de réactivité, un produit cloud comme Meraki offre clairement aujourd'hui une réponse efficace, rapide, complète et qui dispose de l'ensemble des features qu'on est en droit d'attendre sur un projet SD-WAN. Quand on veut pousser un peu plus le curseur sur la sécurité, des produits qui ont une sécurité, qui sont nativement, qui viennent de la sécurité, apportent une plus-value évidente. Je voulais faire aussi une petite parenthèse à ce propos. Alors, je ne sais pas si ça fait partie des questions, mais certains d'entre vous peuvent être aussi intéressés par la sécurité en mode cloud. Donc je pense à des solutions de type solution tierce qu'on retrouve, type WebSense, type Zscaler, versus la solution qu'on vous a présentée aujourd'hui, où c'est du SD-WAN avec de la sécurité embarquée. Là aussi, on va mettre en exergue le fait que dès lors que vous avez des fichiers ou des informations, des transactions qui sont extrêmement confidentielles, extrêmement ou à forte valeur. Je pense en particulier à des flux monétiques. Je pense qu'on ne peut pas se permettre concrètement de faire remonter ces flux-là dans un cloud public, enfin, au travers de solutions type Zscaler où ça passe par du cloud externe. Il vaut mieux avoir, il me semble, une sécurité native au plus proche des accès Internet. Des accès locaux sur vos sites distants, sur vos branches Office, ça me semble être une approche bien plus forte en matière de De sécurité. sécurité, tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être. Quelqu'un tape. Il y en a une question en cours. Allez-y, Raphaël. Alors, la remontée des logs depuis les CPE en cas d'interception SSL, trafic HTTPS typiquement, vous remontez tous les logs sur une plateforme centrale managée.
Donc oui, là, la solution SD-WAN va toujours avoir une plateforme centrale managée, l'orchestrateur qui va piloter l'ensemble des sites. Les logs vont être remontés, donc déjà conservés pour les contraintes réglementaires, vont être conservés par les solutions. Ensuite, où est-ce que ça va être remonté? Ça va dépendre de la solution. Comme le disait Loïc, certaines solutions ont leur orchestrateur dans le cloud public. Dans ces cas-là, les logs seront remontés en centrale sur le cloud public. Ou certaines solutions vont avoir l'orchestrateur qui va être hébergé soit dans nos data centers sur un réseau privé, soit dans vos data centers sur un réseau privé. Et ces logs vont remonter donc sur cet orchestrateur-là. Est-ce que ça répond à la question? Ce qu'il faut noter, c'est que ce sont des solutions qui, comme on le disait, permettent de piloter, détecter, sécuriser, et donc finalement, vous avez une historisation là aussi des logs qui vous permettent derrière de faire une analyse éventuellement plus approfondie des flux qui transitent sur votre réseau. Donc il y a une conservation effectivement de cette information, de ces logs, pour ensuite pouvoir les analyser. Ensuite, après, j'ai envie de vous dire, si vous voulez monter en gamme sur la sécurité, on peut aussi avoir des approches alors de type SOC, hein, de type Security Operation Center. Aujourd'hui, Ebouane propose ce type d'outils, hein, et là, on va un petit peu plus loin puisque un SOC va monitorer, détecter, monitorer. Identifier les menaces et apporter de la remédiation également. Mais c'est une approche plus orientée cyber cette fois-ci, qui va au-delà du simple de la solution SD-WAN sécurisée. S'il n'y a plus de questions, on va clôturer notre présentation ici. Merci pour votre participation. Désolé pour la problématique technique. J'espère que ça n'a pas trop gêné la présentation. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez avoir plus d'informations, plus de détails, n'hésitez pas à nous contacter. Et la présentation et le webinaire seront disponibles bientôt pour le téléchargement. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée.